Ok, ce coup-ci, ça devait être bon. Bah, j'avais commencé, donc on se retrouve en live. J'avais commencé le live et j'avais oublié d'enlever mon overlay. Le live va commencer. Heureusement que Charlie est passé par là pour me le dire, car mon deuxième écran n'était pas allumé, donc je n'avais pas le retour. Donc là, je pense que c'est bon, vous avez le jeu, tout va bien. Donc, Force of Nature 2, ben, j'ai toujours mon souci déjà pour parler. Hein, je m'en excuse suite à l'opération de la mâchoire, mais bon, j'espère que vous me comprenez quand même. Hein, voilà. Force of Nature 2 est dispo depuis le 27 mai 2021 sur Steam au prix de 13,29€ hors promotion, dont les développeurs m'ont offert gentiment la clé. Je vous remercie beaucoup, messieurs les développeurs, merci à eux. Bon, beaucoup d'entre vous connaissent le jeu, je pense. Et comme le titre le dit, il y a un précédent opus, Force of Nature. Il y a, là, on est sur le 2. Je n'ai pas fait le 1, je découvre le 2. J'y ai passé de mon côté une après-midi complète et je n'ai pas du tout vu le temps passer. Voilà, donc pour vous dire qu'il est prenant, il y a énormément de choses à faire et il est très intéressant. C'est un RPG combinant exploration, survie, magie, danger, mystère, stratégie, gestion. Et bon, c'est sûr que c'est un point and click de vue de dessus, donc il y en a certains qui n'aiment pas ça. Mais en fait, c'est un très bon jeu. En tout cas, moi, je me suis éclatée. La petite nouveauté pour laquelle aussi je fais le live, c'est qu'il a été mis récemment le mode coop qui n'y était pas jusque-là. On pouvait jouer qu'en solo. Maintenant, on peut jouer en coop. Donc, pas de souci de ce côté-là. Je vérifie quand même au niveau des paramètres si tout est bon avant de commencer. C'est bon, tout est bon. Ce coup-ci, pas de bêtises de ma part. Non. Donc, on fait une nouvelle partie. Merci, Charlie. Donc, vous avez donc la possibilité de jouer un homme ou une femme. Voilà. Donc, l'homme, vous avez ici différentes coupes de cheveux. Voilà. Différentes couleurs de cheveux. À vous de le personnaliser comme vous avez envie. Si vous êtes brun, blond, roux. Voilà. Par contre, vous n'aurez pas les mêmes coupes de cheveux si vous prenez la deuxième option. Ce n'est pas les mêmes et ce n'est pas la même tête de perso. Donc, à vous de voir. Moi, évidemment, je suis une fille. Je vais prendre une fille. Donc, il y a celle-ci, il y a celle-ci. Je trouve ça la plus sympa. Et au niveau de la coupe, je vais mettre ça. C'est ce que j'avais mis dans ma partie perso. Étant brune, je mets ça. Et étant beau, un petit peu plus mat de peau, je mets ça. Ici, au mode de jeu, à vous de voir ce que vous voulez cocher. Moi, je pars en base normale. Donc, on va générer le monde. C'est parti. Et non, parce que c'est pas parti, je n'ai pas mis le monde. Alors, on va mettre le monde de Firel. Allez, on va générer le monde. Merci Charlie, en tout cas. Sinon, j'aurais pu continuer longtemps comme ça si tu n'étais pas passé. D'autant que d'autres personnes sont passées, elles ne m'ont rien dit. Donc vous avez la possibilité de jouer soit qu'à la souris, soit au clavier. Moi perso, je préfère à la souris. Ok, on passe tout ça. Donc, ma lampe torche, que s'est-il passé ici? Donc pour ramasser, c'est contrôle ou espace. Donc on va aller ici. On ramasse tout. Ma lampe torche a été cassée. Voyons peut-être que si je peux la réparer, j'aurais besoin d'un tournevis. Où l'ai-je laissé? Donc, en général, ça vous met en surbrillance l'objet. On va l'ouvrir. On récupère le tournevis. Voilà. Et ici, vous avez vos tâches, vos quêtes. Donc, on vous demande de réparer votre lampe torche. OK? Donc, ensuite, ici, vous avez votre sac à dos avec votre inventaire. Alors, c'est un jeu de survie aussi. Mais vous n'avez pas besoin de vous nourrir ou de boire. Sauf dans certains cas, c'est-à-dire que quand vous allez vous faire attaquer par des animaux ou autres, que vous allez explorer la map qu'on verra après, parce que là dans le tuto, on ne peut pas voir grand-chose, vous allez perdre de la vie. Et à chaque fois que vous allez couper des arbres, etc., vous allez perdre de l'endurance. Donc certains, je dirais, certains aliments vont vous redonner de la vie. D'autres vont vous redonner que de l'endurance, donc choisissez bien. Vous allez pouvoir vous faire des cuissons. Il y a énormément de choses à craft, mais on va le voir dès qu'on sera arrivé sur l'île. Donc, on va aller réparer notre lampe. Donc, ici, on met l'outil tournevis. Ne vous trompez pas, ne le mettez pas là. Il faut le mettre ici. Voilà, et on fabrique.
Il y aura bien sûr un arbre de compétences à monter. Et bien sûr, comme un petit peu dans Night of the Dead, qui est un jeu complètement différent de zombies, vous allez devoir étudier sur la table de travail d'artisanat, d'étudier une compétence pour la débloquer. Vous aurez l'élevage, la construction, la métallurgie et énormément de choses, mais on va le voir. Donc, on va l'examiner ici. Qu'est-ce que c'est que le bruit? Et nous avons à faire un petit raton laveur. Ok, donc moi je vais aller chercher mon petit balai qui est là-dedans. Hop, en tout cas, moi je me suis bien éclatée. C'est un jeu détente, sympa. Et franchement, en plus de pouvoir le jouer à la coop, je pense que ça va être sympa. Pour saisir les objets qui sont là, donc ici vous mettrez vos outils, ici vous mettrez vos compétences. Voilà. Ici c'est votre sac à dos, ici c'est l'inventaire basique de craft. Ici le craft beaucoup plus perfectionné, hein. Production, stockage, la ferme, la science et la magie, les décorations, les conceptions, mais vous allez voir qu'il y a énormément de choses à construire. L'avantage, c'est que quand vous aurez construit un début de base, au tout début, vous avez posé un feu de camp, des tables, etc. Ça va être un petit peu posé à l'arrache, le temps que vous agrandissiez, excusez-moi la prononciation, mais toujours, hein, suite à l'opération de ma mâchoire, je parle toujours pas très bien encore, mais c'est déjà mieux que ce que c'était avant. Et vous allez pouvoir déplacer les objets que vous avez déjà fabriqués pour réorganiser votre base sans devoir les casser. Ou alors ici, vous pourrez voilà, le casser, masquer le toit. Ici, vous avez les compétences. Hein, donc, vous avez la santé, l'endurance, la précision, la fabrication ou la construction et vous monterez un niveau. Quand vous aurez débloqué une compétence, vous devrez les placer ici pour les utiliser. Voilà. Donc, il y a ça. Ici, vous avez votre journal de quête. Qui va vous dire exactement ce que vous devez faire, donc suivez bien le tuto. Et ici vous avez fantôme, mais pour l'instant on ne peut pas voir ce que c'est. Donc on va prendre notre balai. Alors c'est avec la touche 1 de non pas du pavé numérique, et on va aller fighter notre petit raton laveur de façon à le faire partir. Et il court vite, hein, putain. Pas de soucis, Charlie. Donc là, je pense qu'il en a assez de se prendre des coups de balai. Donc, il se carapate. Je pense qu'il serait préférable de boucher le trou du mur. Je pense qu'un peu de ciment suffira pour l'instant. Alors, on va aller chercher le ciment. Vous avez vu que ça nous aide quand même. On est un petit peu éclairé. Il y a une petite lumière. Donc, on va tout prendre. Hop. J'ai pas trouvé s'il y avait une touche pour tout prendre d'un seul coup. Ok. Donc on va aller ici, sur l'atelier. Hop, on prend notre menu. Donc pour faire du ciment, il faut que vous l'ayez dans votre inventaire. Il nous faut du ciment et de l'eau. Donc là, on en a, c'est le tuto de départ. On en fabrique. Ok. Et là, maintenant, on va devoir construire, placer une construction de mur au niveau du trou. C'est vraiment, je vous dis, le tuto de départ. Donc, on va aller ici. On va faire le mur. On va le construire. Et vous voyez, ça met des petites cases rouges. Donc, quand vous êtes trop près, vous ne pourrez pas poser. Et là, vous voyez, ça ne gêne pas. Donc, on va le construire. Et on va dire à notre perso de le faire. Voilà. Mais tout va débuter après. Et vous allez voir que c'est un jeu vraiment très sympa, relax. Vous pouvez prendre votre temps. Et comme je vous dis, c'était solo jusque-là, maintenant vous pourrez jouer en coop, donc c'est assez sympa. Et j'ai vraiment pris du plaisir. Si le jeu était nul, vous me connaissez maintenant, je vous dirais non, franchement, pour le prix auquel il est, le prenez pas, ou il est nul, j'aime pas, c'est pas mon style. Je ne suis pas du genre à vous dire parce qu'on m'a donné la clé, oui, le jeu est très bien, achetez-le, non. Mais par contre, là, vraiment, je me suis éclatée, je me suis détendue. Ça m'a permis de jouer toute une après-midi. Je n'ai absolument pas vu le temps passer. Vous allez dire que je me répète, mais j'y tiens absolument. Donc, on va examiner et tout va partir de là. On est parti pour une petite heure, je pense. Il est 17h51. Je pense qu'on va jouer jusqu'à 18h, 19h. Et ça fera un petit peu long pour YouTube, mais j'essaierai de voir si je peux raccourcir tout ça, mais ça va pas être évident, hein.
Alors, que s'est-il passé? Où suis-je? Donc, d'avoir touché cette petite boule, effectivement, on se retrouve au trou du cul du monde, comme on dit chez moi. Donc, ici, vous pouvez voir la carte. D'accord? Ici, si vous cliquez là, il y a plusieurs blocs, biomes. Vous démarrerez toujours au champ verdoyant. Mais par contre, ce ne sera pas automatiquement le même endroit. Donc, par contre, ce qui est impressionnant, moi, ce qui m'a choqué, c'est la map, quoi. Regardez ça. Il va falloir l'agrandir petit à petit en la découvrant, en la développant, surtout en se baladant. Voilà. Donc, c'est quand même immense. Il y a de quoi faire, hein, des deux côtés, en haut, en bas. Voilà. Il y a des prédateurs aussi, donc il faut faire attention. Donc, au niveau des quêtes, on nous demande de fabriquer une hache en pierre, une pioche, une moue en pierre. Et de récupérer des rondins, de l'argile, de la terre et du sable. Salut Sergio, tu vas bien? Alors, déjà, on me demande de fabriquer des outils de base. Donc, on va fabriquer de la hache, une hache, une pioche, une houe. Pour ça, on se met simplement en avance et on récupère avec contrôle tout ce qu'on a besoin. On va récupérer ici. On verra avec Fredo, comme je vous le disais tout à l'heure, on verra avec Fredo si il a la clé, parce qu'il a fait la demande à la clé, puisque la coop a été intégrée, jusque-là ça ne l'était pas. Et peut-être qu'on fera une session en coop, ça nous tente bien. Moi en tout cas en solo, j'y ai passé un temps de ouf. Alors par contre, je crois que mon inventaire est plein, donc on va voir si je peux me crafter une hache. Alors pour faire une hache, il me faut une corde et un silex. Donc je vais faire un silex. Hop, une corde. Ok, et là je peux me faire. Donc la hache. Écoute, ça va, je parle encore bizarrement, mais ça va un peu mieux. Donc on va se faire, donc prochaine étape, la pioche. Alors, pour la pioche, je vais ramasser tout ce que j'ai autour de moi. Voilà. Alors, pour la pioche, on regarde, pioche en pierre, il nous faut une corde. Donc, hop, on va la fabriquer. La corde est un des objets du jeu les plus demandés. Hein. Donc, il faudra vraiment se faire un champ de lin pour être tranquille. Vous allez voir, il y a plein, plein de choses sympas à faire. Donc, on va sortir la pioche. Voilà, il nous faut une houe. Donc, pour ça, il me faut une corde. Alors, est-ce que je peux encore en faire une? Oui. Et ici, il me faut battre des bâtons. Donc déjà, je vais équiper ce qui m'est possible d'équiper au niveau de mon inventaire. Donc la hache, la houe. Bon, je vais la mettre en 3. Et la pioche, donc il me faut des bâtons. Alors, trouvons des bâtons. Ici. Hop. Voilà, on va se faire la pioche. C'est ça, pioche. Non, la pioche, je l'ai fait. C'est la houe qu'il me faut. La houe. Fabriquer. Et pour ceux qui ont envie, quand ils rentrent chez eux du boulot, d'avoir un jeu sympa, tranquille, etc., je vous le recommande. Moi, j'ai passé, je vous le redis, hein, vous allez dire que je radote, mais je m'en fous. Vous allez voir que franchement, on passe un bon moment. On est tranquille, c'est zen. Il y a le cuicui. Bon, il y a quelques bébêtes à attraper, mais bon. Donc, on va maintenant récupérer des rondins. Donc, pour ça, il nous faut effectivement, vous doutez bien, la hache. Alors là, je vais mettre, c'est quoi? C'est là où je la mets ici. Donc, la pioche, là où. Hop. Voilà. Et donc un rondin, donc on va regarder autour de nous comment on va organiser ça, puisqu'on va pouvoir étendre hein, notre territoire. On va couper l'arbre qui est là. Donc, toujours non pas avec le pavé numérique, hein, mais ici. Donc on va lui demander de couper des arbres. Et vous voyez, à chaque fois qu'on tape un arbre, on a la stamina qui descend. Donc on récupère tout avec contrôle. Avec Alt, on a aussi le moyen de voir autour de nous tout ce qu'il y a. Alors,
faudra nettoyer évidemment, hein, puisqu'on va débuter ici, mais on va suivre le tuto. Donc maintenant, on nous demande de récupérer de l'argile, de la terre et du sable. Donc, on va prendre notre houe. Oui, mais laisse-la là, c'est que je veux que tu la prennes. Voilà. Alors, l'argile, c'est ceci. On va lui demander d'en récupérer. Et on appuie sur contrôle pour récupérer. Vous voyez, au fur et à mesure, j'agrandis ici. Hein. On va y avoir pas mal d'exploration à faire. De la terre, donc ici. Bon, ne vous inquiétez pas, hein, l'argile, au bout d'un moment, vous pourrez aller en chercher d'autres. Et du sable, vous vous doutez bien que le sable, on est au bord du Nil, donc le sable, c'est au bord de la plage. Et j'ai plus de place dans mon inventaire, c'est une grosse blague. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire? Je peux jeter, le récupérer après. Pourtant, si, j'ai de la place. Hop. Voilà. Alors, prochaine étape. On me demande de placer un feu de camp. Alors, là, c'est au niveau du petit marteau en bas, votre sac à dos. Le contenu de ce que vous avez. Ici, le menu basique du jeu. Et ici, les constructions plus poussées. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est classé par catégorie. Mais il y a énormément, énormément de craft à faire pour développer tout ça. Mais le problème, c'est que pour pouvoir les débloquer, il va falloir étudier. Et il va falloir aussi monter en level, si vous voulez le débloquer. Donc, on nous demande donc ici de faire un feu de camp. Alors, le feu de camp, il est là. Pour ça, il me faut des braises, ok. Et pour faire des braises, il faut du petit bois. Donc, on va faire, hop, 3. Moi, j'aime beaucoup, c'est relax, c'est tout à fait ce qu'il me faut. En solo, c'est un petit peu plus long à faire, hein, à développer, mais c'est aussi très agréable. Et en coop, évidemment, vous doutez bien, hein, ça doit aller beaucoup plus vite. Hein. Ok. Donc, le feu de camp, il me manque quoi? 5 petits branchages. Alors, si je n'en ai plus, c'est pas un problème. Je prends ma hache et les petits buissons qui sont là, elle va aller les couper. Et ça va me donner des petits bâtons et ça va me permettre de déblayer un peu tout ça, mais il va vite falloir se faire des coffres ou des petits paniers, comme ils appellent ça, de façon à non seulement à pouvoir aller explorer l'environnement. Vous voyez, il y a des vaches, il faudra les capturer, mais ça c'est encore autre chose. Mais aussi pour pouvoir un petit peu se faire une idée de comment on va organiser notre base. Alors, on va regarder ici. On est plutôt face à la mer comme ça. Je peux zoomer. Des zooms au max. Hein. Mais on pourra les bouger, les objets, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est pas gênant. Donc, on va se faire le feu de camp. Pour le départ, on va le mettre. Alors, vous voyez, là où c'est rouge, ça, je peux le ramasser. Et ça ne m'empêchera pas de poser des choses. Mais voilà, on va essayer de le poser par là. Voilà, il va le construire automatique. Voilà. Et dans le feu de camp, on va pouvoir se faire des braises, des pommes de terre, de la viande grillée qui vont nous permettre de nous redonner de la vie ou de la stamina en fonction de ce qu'on veut. Donc, prochaine étape que l'on nous demande, la table d'apprentissage. Alors, la table d'apprentissage, on va la chercher, comme ça, ça nous permet, on a l'atelier d'artisan, la table d'apprentissage. Pour ça, il nous faut 10 bois, 5 cordes et une peau d'animal. Donc, il va falloir qu'on tue un animal.
Et des bûches, on en a 6, donc il va falloir recouper des arbres. Donc je me ferai bien un petit coffre de stockage, le panier. Il me faut 4 cordes et 13 petits bois, donc on va le faire si je peux. Combien je peux faire de cordes? Hop, sinon je vais être fou là. Fabriquer. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir renommer nos petits paniers, puis après on fera des plus grands coffres évidemment. Mais en début de jeu, si on part tout full, c'est pas bon. Hop. Donc on a notre corde. Et pour faire un panier, on vient ici, il me faut 25 petits bois, j'en ai 13. Donc je vais repartir couper ici. Il y a un cycle jour-nuit. On va couper ici. Hop. Comme ça va nous faire un petit passage vers là. Mon perso, je peux fermer. Je vais ramasser tout avec contrôle. Hop. Et c'est vraiment un jeu très sympa et très relaxant. Mince, ça c'est pas le bon bouton que j'appuie. Ok, donc là on devrait pouvoir se faire un petit panier pour un petit stockage de départ. Ici. Voilà. Peut-être deux même. On va le mettre à côté. Bon, on peut en faire deux. Non, je peux pas, j'ai plus de corde. Est-ce que je peux refaire des cordes? Et ça m'en demande deux. Pourtant, j'en ai deux dans l'inventaire. Donc, c'est quoi qui me manquerait? Il en faut quatre. Hein. Alors, cordes. Voilà. Je vais faire un autre petit panier. Et on va les renommer. Comme ça, on va mettre les objets à peu près rangés comme il faut dès le départ pour éviter d'en avoir partout. Hop, construire et on va le mettre à côté. On le bougera plus tard. Donc vous avez le temps, ce n'est pas obligé, vous n'avez pas la notion de soif, la notion de soin, ça sert vraiment juste pour remonter votre vie quand vous prenez des dégâts et la stamina quand vous quand vous avez plus de stamina à chaque fois que vous faites quelque chose. Donc, on va décaler ici. Donc ici, je vais ranger les ressources primaires, on dira, hein, la terre, le sable, et je viendrai les chercher. Les graines et tout ça, je vais les mettre ailleurs. Les silex, les bûches. Après, on construira un porte-bûche, tout ça. Voilà, ça c'est des braises, je vais les mettre là. Ça à manger, je vais le garder sur moi. Et ici, on va mettre les graines en attendant de se faire un panier et une tenue pour résister un petit peu plus au boss, au mob qu'on va devoir tuer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Une table d'apprentissage. Alors, table d'apprentissage. Hop, je ferme mon inventaire. Alors, ici. Alors, on a en nouveauté ceci. Alors, table de cuisson, atelier feu, c'est bien ça, hein? Table d'apprentissage, que je fasse pas de bêtises, table d'apprentissage. Elle est où? Alors, purificateur, métier à tisser, vous voyez, il y en a énormément hein, de choses à construire. Panier. Les animaux de la ferme pour construire des granges, des basses-cours, des étables, table d'apprentissage. Alors, pour ça, il me faut 10 bûches, 5 cordes et effectivement une peau d'animal. Donc, il va falloir qu'on tue un animal. Donc, qu'est-ce que je peux me faire au niveau craft? Toc, 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 toc. Non, je peux pas encore me faire à la lance. Donc, ce qu'on va faire, on va déblayer déjà ici un petit peu.
Hop. Histoire de que ce soit un petit peu plus propre pour que on construise notre base. S'il n'y a rien, on va déblayer ici. Donc pour YouTube, ce que je vais faire, c'est que je vais déblayer un petit peu la zone en restant sur Twitch. Et je vous retrouverai une fois que j'ai déblayé tout ça. Pour pas que ce soit trop long pour vous. Donc je vous dis à tout de suite YouTube, mais je reste sur Twitch. Donc YouTube, on se retrouve, j'ai déblayé un petit peu. J'ai ramassé, j'ai tué un petit renard à la hache parce que je ne pouvais pas me faire la lance. Et là, on va construire donc la table d'apprentissage. Hop. Donc ici, on peut la pivoter avec Q, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est avec la molette de la souris, je dis des bêtises. Ah, je ne sais pas si elle est à l'endroit ou à l'envers. Hop. On va peut-être la mettre là. Voilà. Et on vient la construire. Ok, donc la nouvelle quête qu'on nous donne, étudier la poterie. Voilà, donc pour débloquer les objets, il va falloir qu'on aille là. La poterie, pour ça, il faut que j'ai de l'argile sur moi. J'en ai dans le coffre, ici. Donc là, je vais mettre matériaux. On peut renommer, c'est très pratique ça. Matériaux. Voilà, j'ai mis 2 R, il n'en faut qu'un. Hop. Ok, donc je vais prendre l'argile, elle est là. Voilà. Ici, je vais mettre graines, fleurs en attendant. Hop, comme ça on s'y reconnaît. Ici, je vais mettre ça. Oui, c'est bon, appelle le graine fleur. Donc on va mettre les graines de là. Parce qu'après, on va pouvoir se faire une tenue. En cuir, un petit sac qui va augmenter l'inventaire. Donc le blé, j'en ai pas besoin. Ce que je garde sur moi, c'est vraiment le lin pour faire des. Ici, donc on a des pommes de terre, on peut les faire. Comme ça nous redonner de la vie quand on n'en a pas. Mais le mieux évidemment, c'est des steaks, vous vous en doutez. Donc il va nous faire 6 patates. Recharlie. Donc on aura différentes recettes. Après, ben, si on fait la poêle, la jarre, etc., ça nous débloquera encore plus de recettes qui nous redonneront plus de vie. Donc tout ça, c'est vraiment très très intéressant. On lui laisse cuire ses petites patates pour faire de la place dans l'inventaire. Les pommes, on les mange direct. Hein. Vous doutez bien, on va pas les cuisiner, à moins qu'on débloque des recettes sophistiquées. Comme par exemple la galette, non, faut de l'eau, les pommes de terre, on les a vues, la viande, il faut de la viande, œuf au plat, des œufs, et le morse, voilà, de l'eau avec. Voilà. Mais là pour l'instant, il faut qu'on débloque la poterie. Alors, qu'est-ce que j'ai dit qui me manquait pour débloquer la poterie? Rien du tout, puisque là, voilà, donc elle fait sa recherche sur la poterie, puisqu'on avait récupéré l'argile. Ok, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de fabriquer une jarre et de récupérer de l'eau brute. Alors, est-ce que j'ai de quoi me faire la jarre? Oui. Alors, l'eau brute, c'est l'eau de mer, qu'on soit bien d'accord. Et après, on pourra faire un objet qui va nous permettre de purifier l'eau. Donc on récupère le petit coffre ici. On va s'équiper de notre jarre qu'on va mettre ici. Et on va aller récupérer de l'eau comme le tuto le demande. Alors, on prend la touche appropriée.
et on lui demande de récupérer de l'eau. Vous voyez, à chaque fois qu'elle fait des efforts, la stamina descend. Hein. Donc là, elle va le remplir toute seule jusqu'à ce que ça soit full. Là, elle a fini. Donc, on nous demande d'étudier l'agriculture. Eh bien, on va aller étudier l'agriculture. Alors, agriculture. Pour ça, il me faut de l'eau, de la pierre et des graines de lin. Ok. Eau, pierre, graines de lin. Donc ça, je vais poser là-dedans. De la pierre. Terre et des graines de lin. Je pense que là, on a tout. C'est un petit peu le tuto de début de partie. Hein. On va rechercher. T'as tout ce qu'il faut, Mumère. Hein. On a étudié l'agriculture. Nouvelle quête. Il va falloir qu'on construise un carré de culture qui va être très très intéressant pour la suite. Tellement on va avoir besoin de choses. Alors, au niveau de l'agriculture, pour le carré de culture, il nous faut de la terre. Donc, on va prendre notre houe parce qu'on n'en a presque plus. On va ranger le pot ici. On va ranger les pierres. Hop, les bûches. Ça se stack, hein. L'argile, on va la mettre là. Ici, on va mettre ça. L'eau, je vais la mettre là. En attendant. Et qu'est-ce qu'il nous fallait pour faire carré de culture? Les bâtons, je les ai, c'est de la terre. Donc, on va prendre notre houe. 3 et on va aller récupérer la terre et on en a là. Avec contrôle, hein, on récupère. Je crois que vous pouvez rebindre les touches. Hein. Ok. Donc, le carré de culture, peut-on le faire? Hein, oui. Alors, on va réfléchir un petit peu de comment on va organiser ça, hein, pour pas que ce soit trop, trop bordélique. Hein. Alors, ici, on a notre petit feu de camp. Là, on a nos tables. On va peut-être en profiter pour... parce que c'est pas chronométré. On va déblayer là, les petits bâtons. Essayer de faire un truc droit, de façon à pas être embêté et poser nos carrés de culture comme il faut. Voilà. Et on va le gicler. On va pas tout enlever parce que ça fait barrage aux animaux. C'est un jeu par vue de dessus, comme ceci. C'est pas ça que je voulais. Tu peux pas mettre ta caméra, tu peux zoomer, mais voilà, pas plus. C'est un jeu de vue de dessus, mais il est vraiment très 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 bien. Donc on va, bon, on va se mettre, je pense, un petit carré de culture là, et on pourra mettre la culture là. On verra pour mettre les animaux ici après, je pense. De toute façon, on peut les bouger, hein, on va pas s'embêter. Donc on va le construire. On va le mettre là. Voilà. Et on va lui dire de construire. J'ai un petit peu mis de traviole.
Je vais le bouger. Vous me connaissez, hein, vous savez que j'aime ce qui est un petit peu parfait. Et je l'ai foutu là où je voulais le mettre ou pas du tout. Voyons voir. Non, c'est bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me demande? On bougera de toute façon de cultiver du raisin et une patate. Alors, on va aller chercher un raisin. Moi, j'en ai sur moi. Ouais, j'en ai. Par contre, j'ai pas l'eau. Prendre avec moi. Hop. Et on va cliquer droit là-dessus. Et on va planter donc du raisin. Plante. Le mieux est de se faire un deuxième bac, pour être honnête avec vous. Donc il me manque 15 terres. Est-ce que je vais pouvoir, le temps que ça se fait, en récupérer ici? Ou est-ce qu'il n'y en a plus là? Non. Je vais peut-être sortir mon petit bonhomme là, qui doit vous gêner. Là, j'ai de la terre ici. C'est là où que je veux. Merci. Contrôle, je récupère. Je vais faire un deuxième bac à culture. Il est vraiment bien le jeu, hein. La vue du dessus ne gêne en rien, hein. Franchement. Alors, on va se faire un autre bac à culture. Il m'en faut 15, et évidemment, j'en ai 14. Hein. Tout pour me casser les pieds. Alors, ici, il n'y en a plus. Là, est-ce que j'en ai de la terre par là? Ici, peut-être. Pas beaucoup. On pourra couper tout ça, hein. C'est ça qui est bien. Hein. Hop, non, j'en ai plus là. Ici. Est-ce que c'est de la terre ou du sable que j'ai ramassé? De la terre. Si je peux, je vais même en faire deux autres pour le lin et le... Parce que le lin, je vous l'ai dit, c'est une des matières les plus importantes du jeu. C'est ce qui sert à faire les cordes. Hein. Sans lin... C'est la fin du monde dans ce jeu. Donc on va faire une autre. On va le mettre à côté. On va en faire une autre à côté. Je peux pas, il me manque de la terre. Mais on va construire ça. Donc après on va devoir capturer les animaux pour faire de l'élevage. Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a des poules, etc. Et après évidemment il y a les animaux qui sont dits agressifs, les renards, les loups. Les ours, et il y a aussi différents autres bébêtes comme des gobelins et j'en passe. Donc on va récupérer ça. Donc ici on me demande de cultiver des patates. On va faire ici. Patates, on n'en a pas. J'ai dû la ranger. Hop. Non. Ah non, je les ai fait cuire. Hein. Bête que je suis. Bon, je vais aller chercher des patates. Alors, pour les patates, on reste par là. Là où on s'est fait un petit trou. Non, non, gratte pas la terre, gratte pas la terre, gratte pas la terre. Hop. Ça, c'est du lin. Je vais ramasser. Non. Ah. Avec Alt, ça va tout me ramasser. Comme ça, je suis tranquille. Des patates. Ça c'est du lin. Décidément ma touche window m'embête. Voilà, contrôle. Voilà, patate. Contrôle, pas besoin de plus. On revient à notre base. Normalement, je choisis de me déplacer avec le point and click. Hein. Vous pouvez vous déplacer avec les touches du clavier, il n'y a pas de problème. Hop. On vient ici. Ici.
Donc, il nous demande de planter une patate. Et ici, moi, je vais en profiter pour planter du lin. Voilà. On va attendre que ça se fasse. De là, je vais ranger le petit bazar. Ici, donc, je vais mettre le bois. Alors, ça se stack. Hein. Hop. Les graines. Je vais mettre les raisins ici. Le raisin, ça vous redonne de l'endurance. Les patates vous redonnent de la santé. Les pommes vous donnent de la santé, de l'endurance et de la vitesse d'attaque. Donc voyez, il faudra faire attention, planter un petit peu de tout pour pouvoir faire de tout. Alors, on en est où là? Toujours nos patates. C'est prêt dans 46 secondes. Donc pendant ce temps là on peut réfléchir un petit peu à ce qu'on va débroussailler et pas débroussailler. Donc ici on va dégager un petit peu, je pense, par là. On va couper là. C'est vraiment un jeu relax, tranquille. À part quand vous devez aller vous battre, ça c'est sûr que c'est moins pratique. Voilà, on va couper des arbres. Attention à l'endurance en bas. Ok, ici on peut ramasser les raisins. Voilà, on n'est pas trop mal. Les patates sont toujours pas finies. On va aller taper ça. Contrôle. Alors, les patates sont terminées. Donc, placer une construction, le four à charbon, le purificateur d'eau et étudier l'élevage. Alors, je vais récupérer ça. Alors. On va étudier l'élevage. Il nous faut du blé, de la paille, pardon, de l'eau purifiée et de la corde. La maçonnerie, il me faut de la pierre et de l'argile. Alors, j'ai rangé ça dans le coffre. Hop, ici. Pierre. Parce que j'en ai assez, et de l'argile. Voyons voir. Je peux l'étudier. Ok. Alors, placer le four à charbon et le purificateur d'eau et étudier l'élevage. Pour étudier l'élevage, il me faut du blé, de l'eau et une corde. De l'eau purifiée, donc il va falloir d'abord faire le purificateur d'eau. Alors, poulailler, c'est pas là. Alors, il me faut le purificateur d'eau et le four à charbon. Il me manque 8, il faut 8 argiles. Pour encore 5 argiles, je pense que je peux la prendre là. De laisser mon inventaire ouvert, ça me permet de voir. C'est pas la peine qu'elle gratte pendant 3 plombes. Bien que là, je prends tout. Voilà, donc là. Au niveau du four à charbon, je peux le construire. Donc on va le mettre là.
Merci Charlie, bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Ok. Ici, on nous demande le purificateur d'eau. Donc, purificateur d'eau. Il nous faut des cailloux, de l'argile, du sable et du charbon. Et le charbon, on le fait là-dedans. Et pour ça, il nous faut de la braise. Alors, on va aller dans le feu. De la braise, on va en faire 24. Pendant que ça se fait, on va aller chercher ce qui nous manque. Alors, c'était purificateur d'eau. Des cailloux, du sable. J'en ai combien du sable? J'en ai pas sur moi. Ça doit être dans le. Hop, on va le prendre. On en a 10. Ok, le bois, j'en ai pas besoin. Penchage non plus. Des braises, j'en ai besoin. Hop, on va ranger à côté les graines. Tout le reste. Les patates. Je vais les mettre là, les pommes et les raisins en attendant, je vais les mettre là. Hop. Ok. Donc il me faut de la pierre pour ça. On a un énorme tas de pierres ici. On prend la pioche. Et on va casser tout ça pour voir ce qu'il nous faut. On récupère. On fait attention à notre stamina en bas. Donc pour YouTube, je vais récupérer tout ce que j'ai besoin et poser le. Le purificateur d'eau et on se retrouve après. Et là normalement on a de quoi faire notre purificateur d'eau. Bien. Par contre j'aurais bien voulu le mettre là, donc il va falloir que je coupe ça. Essayer de s'organiser un minimum pour que ce soit à côté. Parce qu'après on va avoir une base à construire. Hein. Attention, faut pas que je bouffe toute ma stamina. Que là il passe, je vais mettre ça ici pour pas gêner et purificateur d'eau ici construire et on va le mettre à côté ici. Voilà et madame va aller construire. On n'a plus beaucoup de stamina. On va attendre un petit peu que la stamina remonte. Donc, il faut qu'on étudie l'élevage. Alors, il nous faut un maïs, un blé ou un maïs, un truc d'eau et une corde. Alors, est-ce que j'ai de quoi me faire une corde? Oui. Ok. On va aller remplir l'eau. Il faudra qu'on replante aussi. Enfin, on va pas arrêter, hein. De toute façon, c'est un jour où on s'arrête jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Sur ma stamina, hop. Qu'est-ce qui nous manquait? De l'eau.
Du blé, hop là, ici, ici, ici. De l'eau purifiée. Ah oui, bah, faut peut-être qu'on la purifie. On va en faire trois. Il en suffisait d'une, mais bon, ça servira toujours. On récupère et là on peut étudier l'élevage. Voilà. Et le prochain objectif, il va falloir construire une grange. Alors, pour la grange, on va dans la ferme. Et pour construire une grange, il nous faut 10 cordes. Donc, je vais voir combien je peux en faire. 10 cordes ou 10 pailles au choix. Donc, on va faire 10 cordes. Ça va nous monter le. Combien je peux en faire? 3, 4, 5, 6, 9, 10. Fabriquer. Alors, tant que je coupe pas des choses, que je fais la fabrication, ma stamina remonte. Hein. Hop. Donc, on doit pouvoir normalement étudier l'élevage. Voilà. Il me manque rien du tout. Peut-être parce qu'elle a le truc dans la main. Alors, on va le mettre là. Mais je l'ai étudié, madame, l'élevage. Hein. Ah oui, c'est la fabriquer la ferme. Oula. Alors, il me faut. Est-ce qu'il m'en reste du lin ou de la paille dans le coffre pour construire Non. Donc, je vais en planter. Donc ici, on va planter à le lin. Je vais. J'ai pas les graines sur moi, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va ranger un petit peu le bazar. Donc le lin comme ça. Je vais le mettre là en attendant que ça pousse. Je vais prendre des graines de lin. Et dans le coffre, on va ranger ce qu'on n'a pas besoin. On reviendra chercher ça et ça. Voilà. Par contre, donc dans notre coffre, il me faut les graines de lin, je les ai pris. J'ai de l'eau. Donc on va planter du lin. Planter. On va planter. C'est bon, donc on a débloqué quelque chose de nouveau, le poulailler, la bergerie, l'étable et la basse-cour. Ici on a débloqué le rangement pour les bâtons, le rangement pour les pierres, le rangement pour les bûches. Ça aussi ça sera intéressant à faire parce qu'au moins on aura moins de choses sur nous et les paniers seront plus disponibles en attendant de pouvoir débloquer les coffres. Mais il faut avoir des develles pour pouvoir le faire, faut avoir les clous. Pour ça, faut avoir le fer. Et c'est pas ici qu'on l'aura. Alors, je vais aller ranger c'est quoi, les graines de lin, je pourrais en remettre peut-être. Ici, je suis pleine. Ici, je vais mettre ça. Est-ce que je peux me construire maintenant? Non, toujours pas.
pour me faire l'arc et les flèches, mais pour l'instant ça va. Il me faut 10 lins ou 6 bûches sur moi. Évidemment, je les ai posées. On peut faire des stacks, hein, mais tant que je suis pas débordée par. Hop. Voilà. Il faut attendre que le lin pousse. Il n'y a pas de bouton pour accélérer le temps. Hein. Ça va relativement vite quand même. Voilà, celui-là va être prêt. On va en replanter de suite. Voilà. Ici on prend et je vais en remettre. Voilà. Donc, pour la grange, on a tout ce qu'il faut. Donc, on va la construire. Là, il faut réfléchir où on la met. Elle serait plutôt la base. Je vais déblayer ici. Que j'ai de la stamina. On va plutôt mettre les animaux dans ce coin-là. Je pense que ça sera mieux. Hop. J'aimerais qu'on puisse voir avant la fin comment on capture un animal. Mais après, moi, je continuerai ce soir après manger le live au niveau de ma partie ou d'une nouvelle partie. Et tant qu'à YouTube, si vous voulez qu'on fasse un let's play dessus, bien qu'il y en ait beaucoup qui ont déjà été faits sur YouTube, mais on a tous notre façon de jouer. Toute notre façon de progresser, d'avoir nos priorités dans le jeu. Donc toutes les parties sont différentes. Donc si vous voulez qu'on fasse un let's play, vous n'hésitez pas à me le dire. Et à ce moment-là, j'envisagerai de faire un let's play rien que pour YouTube. Donc là, je vais dégager tout ça. Oups là, mon endurance n'est plus bonne. Hop, je vais donc... Bah écoutez, je pense que la truc à vache, on va la mettre là. Je pense que ça peut être sympa d'avoir le coin animaux là. On cassera tout ça de ce côté. Donc, on va faire, hop. On va la pivoter avec la molette de la souris. Écoute, on va la mettre là. Je pense que c'est pas mal. Et on va lui demander de construire. Ok. Prochaine quête, on nous demande de placer la construction, l'atelier d'artisan. Alors, l'atelier d'artisan. Atelier de tanneur, atelier d'artisan. Il me faut 5 cordes. J'ai largement de quoi les faire. Donc, on va en faire 5. Hop. L'atelier d'artisan va nous débloquer encore plus de craft.
Donc il y a énormément, énormément de choses à faire dans ce jeu. Il a un énorme potentiel et vraiment très, très sympa. Je vous le redis. Je ne radote pas. C'est quand je trouve un jeu sympa, je le dis. Alors, l'atelier d'artisan. J'ai tout ce qu'il faut. Donc, on va le construire. On va peut-être le mettre ici à côté. On va le tourner. Voilà. Ok, c'est fait, ça va assez vite quand même, hein. Et on va devoir construire un piège. Alors, pour faire des pièges, il nous faut des cordes, trois cordes. Alors, je vais faire un max de cordes. Pourquoi? Parce que vous allez voir que c'est pas si évident que ça de faire, d'attraper un animal. Je vais récupérer ça, je vais récupérer ça et je vais replanter du lin. Plante ici. Plante du lin. Hop. Je vais voir combien je peux faire de cordes. On va voir si avec 10 combien je peux faire de pièges. Alors le compte à rebours en bas part de 10 à 0. Hein. Ok. Donc on va retourner à notre table d'artisan. Je vais baisser mon, enlever ma fenêtre. Alors, des pièges. Combien je peux en faire? 4, 6. On va en faire 6. Ça sert toujours de toute façon. Puisque la grange ne peut comporter qu'un seul animal. Après, les autres peuvent un peu plus. Donc, on va commencer par attraper une vache qui va nous donner du lait, qui va nous permettre de faire d'autres choses. Les moutons nous donneront de la laine, les poules des œufs, etc., etc. Donc après, vraiment, chaque animal a, comme on peut le voir ici, ouais, le poulailler. Pardon, excusez-moi. On peut y mettre trois poules dedans. C'est que pour les poules, la bergerie que pour les moutons. On peut y mettre trois moutons. La basse-cour, c'est pour les oies. Le poulailler, on l'a vu. Et la grange, par contre, vous voyez, elle ne peut avoir qu'une seule vache. Voilà. Donc 10 cordes, je ne les ai pas faites. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'est arrêté en cours de route? Non. Hop. J'ai fait 6 pièges. Donc, apprivoiser un animal. Excusez-moi. Apprivoiser un animal. Donc, on va prendre le piège dans notre inventaire. On va le mettre sur 4. Hop, on va le prendre. On va essayer de partir à la recherche d'une vache qui n'est pas gagnée. Ici, on a fait un trou, donc on peut passer maintenant. Alors là, on a un mouton, on n'a pas de vache. Là, il y a des poules. Alors vite, je prends, hop, voilà. Reviens Léon, lâcheur. Voilà, on va récupérer la peau. Contrôle. Alors, où vais-je trouver une vache, moi, là-dedans là? Ici, on a des montagnes. Je ne vais pas capturer une oie puisque je ne pourrais pas le mettre. Hop! La peau
Et là, on est bloqué. Bon. Attendez, on a une vache là, non? J'ai pas rêvé. C'est une vache ou un mouton? C'est un mouton. Les vaches vont être peut-être de l'autre côté. Est-ce que je peux passer par là? Alors, niveau stamina, elle est remontée. Donc, je vais casser ça. Ben, d'abord celui-là. Et on va aller voir si on trouve une vache par là. Là. Avec la lance, on fait plus de dégâts. Mais pour l'instant, elle n'a pas débloqué. Contrôle. Si on a une pomme. J'ai mon inventaire qui est plein. Alors. On redonne de la santé. On va manger une. Donc, on le prend. Et hop, on fait glisser ici. Par contre, je vais aller poser des affaires parce que je suis full. On n'a pas de temps limite hein, pour faire les quêtes. Hein. Alors, on va ranger là. Ça, j'en ai pas besoin. Ici. Manger un bois. Je stack par 50 donc et je n'ai plus de place. Il faudra que je fasse un autre panier. Donc on va essayer d'attraper la vache. Hop, on prend le piège dans la main. Et ça par contre ça va pas être une partie de plaisir. Il faut lancer que je coupe là si je veux la choper. Le piège, je sais pas où elle est partie. Ça me permet de... Hop là! Alors, on a pris un niveau. J'ai tendance à vouloir tout prendre avec C alors que c'est contrôle. Donc on a pris un niveau. Donc soit on le met dans la santé, soit dans l'endurance, soit dans la précision, soit dans la fabrication, soit dans la construction. Écoutez, je vais mettre dans la construction, on a 3 points. Dans la fabrication et dans la santé. Là. Vous verrez où vous voulez le mettre. Hein. Moi, je cherche ma vache. Et pour YouTube, on se retrouve dès que je l'ai trouvé, bien sûr. De vache. Alors, dans la partie test, j'en avais trouvé tout de suite. Mais là. Ah, ben, il y en a une. Alors, on va prendre le piège. Et. Aïe, aïe, aïe. Ça va être chaud de l'attraper, hein. Ah merde. Faut changer d'arme. Voilà, contrôle. Bon, pour les animaux, il vaut mieux les avoir de l'avant, enfin, en face de nous. Mais
problème, c'est qu'elle court aussi vite. Il fait pas partir. Raté. Raté. Elles partent par où, ces sales bêtes? Hop, recule, recule. Hop. Ah, je l'ai eu. Donc quand vous avez... Ah non! Oh, sale bête, j'ai pas avoir de piège. Hein. Quand vous l'avez, faut vite cliquer sur apprivoiser. Et là, je vois pas où aller. Merde. Ah ben j'ai plus de piège. Faut que je revienne à la base. Je n'ai plus de piège. Vous voyez, ça demande. Je suis pas allée assez vite pour la première. Sinon c'était bon. Donc là, j'ouvre un petit peu plus la map. Il va falloir que je refasse des pièges et revienne capturer les demoiselles. Hop. Évidemment, sur C, j'appuie alors que c'est CTRL. Un mouton. Non, mais je veux pas t'attraper. Ne t'affole pas, Loi. C'est pas toi que je. Aïe, aïe, aïe. Ok. Ici, on a une autre oie. Que les vaches n'étaient pas par là. Si je les entends. Hop, 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 hop. N'aie pas peur. Hop. Vite. On va prendre notre piège. Oh, putain, raté. J'aimerais qu'elle se coince. Elle est là. Assez doucement. Elle va être coincée là. Voilà, on apprivoise. On se retrouve YouTube, on a donc attrapé la vache, on lui demande de nous suivre et on va la ramener à la base. Si on retrouve le chemin, bien sûr, ça va nous suivre. Faire gaffe que sur le chemin on n'est pas, on soit pas attaqué. Voilà, on est à notre base. Hop, et on va lui demander d'attendre ici. Voilà. Et là, la vache va vaquer à ses petites occupations. Donc, on a pu attraper une vache. Et maintenant, on nous demande d'explorer les environs puisqu'on va devoir découvrir des mystères. On a notre vache. C'est ce que je voulais que vous voyez. Donc, après... au niveau... de là, donc il faut qu'on fasse une poêle en argile pour pouvoir cuire la viande. Il nous faut 5 argiles. On peut le faire vite fait.
Mais j'y reviendrai ce soir en live direct. J'allais chercher de l'argile ici. Soit sur ma partie déjà avancée de test quand j'ai reçu la clé du développeur, soit directement sur une nouvelle partie, je verrai. Je continuerai peut-être ma partie que j'avais déjà commencée. Alors, il nous faut une poêle à machin truc là. Alors, on va faire une poêle en argile fabriquée. Il faudra qu'on se fasse d'autres stockages, des petits paniers comme ça, de façon à ranger les affaires, parce que là, et même voir à fabriquer, là qu'on a la vache, les quêtes peuvent attendre. Hein. On a fait les principales, maintenant il faudra explorer. Ok. Et là, la poêle, on la met ici. Et maintenant, on peut se faire cuire de la viande grillée, qui est quand même plus intéressant que le reste. Hein. Normal. Donc comme vous le voyez, hein, dans le four, il y a de nombreuses recettes encore. Ensuite, au niveau de la table ici, on a les cordes, les planches, les lances en pierre. C'est ce que je vais me faire parce que c'est quand même, on arrive à mieux se défendre. On aura aussi des colliers, on va avoir des boucliers, différentes armures à pouvoir se faire et bien d'autres choses. Au niveau d'ici, on a le tailleur pour pouvoir nous faire des tenues plus résistantes, on dira, des tenues de combat, la métallurgie à prendre. Là, pour ça, il nous faut une peau, il nous faut du cuir, pour ça, il faut l'atelier de tannage. Là, il nous reste à prendre le tailleur, la métallurgie, et il y en aura d'autres qui vont se débloquer. Ensuite, si on regarde là, au niveau des crafts, vous voyez qu'on a l'atelier de tanneur, purificateur d'eau, on l'a vu, le moulin en pierre. Il y a différents niveaux, donc là c'est le premier niveau, après il faut le level up niveau 2, niveau 3. Évidemment les ressources ne sont pas les mêmes, il faudra les chercher dans différents biomes. Le feu on l'a vu, l'atelier d'artisan on l'a. Ici après on a l'atelier de tailleur, le haut fourneau, l'enclume, l'atelier d'armurier, le métier à tisser, l'extracteur de jus, le composteur, les tables de cuisson, qui après on supprime effectivement le feu. Le four à soudre, le tonneau à vin, vous voyez, il y a énormément de choses. Là, il faudra qu'on se fasse les rangements pour être tranquille. Les coffres après, pour ça, il faut avoir découvert les clous, le fer. Des entrepôts en grès, le panier à bambou, les placards. Les animaux, on pourra se mettre des poules, des moutons, etc. La magie, ça, on va le voir parce que c'est là, dans la prochaine étape, on va devoir aller explorer. Et aller se rendre à un endroit mystérieux où nous allons rencontrer un mystérieux personnage. Et c'est lui qui va nous apprendre la magie. Donc vous verrez les décorations, les signes. Je ne sais pas trop si ça nous permet de voir sur la carte où est notre base correctement ou pas. Voilà, j'ai pas trop compris là. On peut être placé à l'intérieur ou à l'extérieur, un signe. Des clôtures là, ça peut être bien par exemple pour entourer la vache parce que sinon elle se balade partout. Et là, c'est pour construire notre base. Donc, par exemple, le plancher à bois, en bois, c'est pas pour tout de suite. Hein. Donc, votre base, au début, elle va être vraiment au minimum du minimum. Quand vous allez vouloir construire une base en sol, ne serait-ce qu'un plancher, il vous faudra le fer. Donc, pour l'instant, on l'a pas. Le mur, les murs, le toit, le sol en pierre après. Donc, vous voyez, ça va demander du ciment perfectionné qu'on n'a pas. Il faudra qu'on ait le niveau construction niveau 3. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à construire. Donc, écoutez, voilà, on en est à, que je ne dise pas de bêtises au niveau du live. J'avais dit 19h, on en est à 19h20. Donc, on va en rester là pour Twitch. Hein. Donc, voilà, c'est le jeu Force of Nature 2. Personnellement, moi, j'adore, je m'éclate dessus, donc je vous le conseille vivement, profitez des soldes. Et tant qu'à YouTube, bah, écoutez, en fonction du nombre de vues,
et de ce que vous me direz dans les commentaires, soit on lancera un let's play là-dessus, on repartira de cette partie-là, soit ben, ça aura été juste une présentation de découverte du jeu. Merci encore aux développeurs de m'avoir donné la clé. Sur ce, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour un prochain live, une prochaine découverte ou la suite des let's play. Allez, bye bye!